Attention, cette vidéo contient beaucoup de cris et de gros mots. Bisous bisous! Coucou les choucrouloutes, ici Lupina pour un nouvel épisode de 2 joueurs une partie. Mon micro est super loin, je suis pas coiffée et j'ai très peur de ce qu'a fait Elantia puisque apparemment on a une petite surprise. Oh putain. Alors on a toujours ce mec. On a Germaine qui a grandi et on a des triplés. Non. Non, on n'a pas eu des triplés quand même. Ce serait la première fois de ma vie, j'ai des triplés dans les Sims 3. Non. Non, écoutez, on va voir. C'est peut-être ça sa petite surprise. Déjà que c'est ingérable le truc. Mais non, Elantia, t'as pas eu des triplés. Ou alors... Bah, remarque, si c'était des triplés, ça aurait pas été de sa faute. Donc, à mon avis, elle a adopté par derrière. Sans mauvais jeu de mots. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Ils sont toujours en train de dormir. Bon. Alors, Maurice. Caca. Super. Et Pouette. C'est très... Pourquoi ils sont au sous-sol? Mais qu'est-ce que t'as fait, Elantia? Ah non, j'allais dire à la Tej Max. Mais d'ailleurs, je vais le Tej parce que, en fait, je m'en fous de ce gosse, moi. Je comptais le Tej dans cet épisode. Attends, mais c'est quoi cette pièce, là? Mais il manque un bout de carrelage, là, il y a un problème. Attends, qu'est-ce qu'elle a foutu? Attendez. Attendez, on va prendre doucement. Donc là, il n'y a pas eu de changement. Là, c'est toujours la sublime chambre rose. Et là, ça me fait... Je suis perdue parce que j'ai commencé à rejouer Sims 3. Et je suis totalement perdue dans les... Ok, donc il manque un bout de... On sait pas trop. Pourquoi les gosses sont au fond, quoi? C'est ça que je me demande, moi. Alors là, il y a toujours le truc du mariage, le truc de jardinage... C'est carrément plus fluide que les Sims 3, hein, quand même. Oui, parce que j'ai lancé un élevage de chevaux. Enfin, de toute façon, le temps que vous voyez cet épisode, vous serez au courant, j'ai envie de dire. Donc, je vais pas m'éterniser là-dessus. Les tombes, elles sont là. Mais attendez, mais c'est là pour construire. Je suis buggée, moi, c'est ouf. Mais attendez, mais c'est pas possible. Non, mais on n'a pas eu des triplés, quand même. Puis c'est quoi ces noms pourris, Elantia? Oh, j'étais habituée à mieux, quand même, hein. Putain, elle est où la pipette? Ah, je m'y retrouve plus, les mecs. Je m'y retrouve plus. Alors... Mais non, mais... Mais on n'a pas eu des triplés. Putain, mais qu'est-ce qu'on va en foutre? Ah bah c'est bon, là, j'ai plus envie de faire de gosse, là. Hein. Laissez tomber. En fait, parce qu'à chaque fois qu'elle fait une connerie, je fais un gosse. Mais du coup, là, je suis servie. Hein. Je m'ai appris à mon propre jeu. Alors, je suis désolée, j'ai une sale gueule. Je suis pas coiffée. J'ai la tête dans le cul. J'ai un sommeil très décalé. Très entrecoupe. Entrecrotte, voilà. C'est génial. Entrecoupé, enfin, des insomnies et tout ce qu'on veut. Par contre, ce gosse, je vais le tej. Je vais le tej tout de suite. Parce que je m'en bats les couilles de ce gosse. C'est horrible. Mais franchement, quitte à être adopté, fais-toi adopter par d'autres gens qui peut-être... Oh, je sais! Je vais le foutre chez Don. Je vais le foutre chez Don. Alors, comment on fait déjà? Je sais plus. Gérer le foyer. Voilà, alors... pas encore utilisé, il est à Oasis, voilà, il est chez Caliente. Alors Max, tu dégages. Et on va dire, putain mais il est où le gosse? Voilà, tu dégages, je pense qu'on a assez avec nos mouflés là. Mais trois gosses, mais non, mais qu'est-ce qu'on va faire avec trois?
Putain, mais les triplés. Mais elle les a adoptés ou pas? Ah, puis mes cheveux, ça me... Je crois que je vais les raser. Voilà, c'est magnifique. Je vais les raser. Je vais les raser, comme ça, ce sera fait. Allez, cherche plus vite, Jaco. Ça fait déjà 4 minutes, j'ai absolument rien fait. Mais genre, rien fait du tout. Oh! Alors, attends. Non, attends. Attends. Non! Pardon. T'as cru qu'on était dans le 100 bébés challenge ou quoi? Non, attendez, je crois qu'en fait elle a adopté les trois mouflés là et que nous elle est toujours enceinte du deuxième. Attendez, on va voir. Ah, mais on peut pas voir, c'est chiant. Y a pas les notifs là? Alors, le jardinier, on s'en bat les couilles. Max, on s'en bat les couilles. C'est l'anniversaire de Germaine, c'est génial. Elle est promue. Ouais, elle a adopté une fois tous les bébés, blablabla. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Mais elle a joué pendant combien de temps? Ok, donc elle en a ramené deux. Oh! Maison bien remplie. Ouais, bah ça, c'est sûr qu'elle est bien remplie, hein. Mais non. Je vais pas m'en remettre, là. Mais attends, mais... Je suis perdue. Elle en a adopté deux. Et pardon, j'ai tapé dans le micro, je suis désolée. Elle en a combien, là, le bébé? Deuxième trimestre. Oh my god. Enfant préfabriqué. Ok, donc elle a bien adopté des gosses. Donc elle a dit... Mais non, mais non. Elle a adopté trois enfants. Alors, je sais même pas si c'est des gars ou des filles. On sait pas. Mais non. Mais qu'as-tu fait, Lancia? Mais ça, t'étais trop cru au sans bébé, quoi. Ok, donc on sait pas si c'est des gars, si c'est des filles. Bah, je pense que Pouette et Caca, ce sont... Non, mais Caca, mes pauvres gosses. Bon, moi, ça me perturbe pas, ça me fait penser à ma pote Caca, voilà. Qui n'est pas un Caca. Osef, donc Maurice. C'est très mignon, Maurice. Bon bah on va s'occuper de ce petit monde là, putain, mais non, mais elle va encore nous pondre un chien là. Pff, si elle en a deux, ce sera le pompon. Non mais attendez, on a déjà quatre gosses. Avec le prochain, ça fera cinq. Heureusement que j'ai Tej Max, hein, j'ai envie de dire. On sera jamais tranquille. Oh, mais l'horreur! Donc du coup, la petite Ginette, elle va reprendre ce lit. Hein? Parce que j'ai carrément la flemme d'aménager les autres pièces. Et elle est super mignonne, en fait. Elle est super kawaii. Alors, 8 minutes, j'ai absolument rien fait, hormis dire ce qui s'est passé. Voilà, donc je pense que je vais faire durer le truc un petit peu plus longtemps, que je puisse jouer. Je vais le dire à Elantia, hein, parce que là, c'est pas possible, les réactions qui durent 8 minutes. Du coup, j'ai la voix qui se barre en couille, c'était magnifique. Du coup, on tombe dans le cliché du petite fille, de la petite fille avec la chambre rose. C'est génial, j'adore. Je suis lol. Je suis lol. Je suis Charlie. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je suis fatiguée, comme je vous ai dit. Je dors pas beaucoup. Dormir, c'est saut 2012, quoi. Alors, on va lui mettre un cadre. Pour qu'elle puisse quand même. Ah, j'ai un truc dans l'oreille. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que j'ai dans l'oreille? C'est tout dur. Ok, c'est cool ma vie. Heureux mes choucrouloutes! Alors, je sais pas ce que j'ai dans l'oreille, ça a disparu, c'est pas grave. Et Elantia m'a autorisé à dépasser le truc, le temps imparti. Je vais y arriver. Alors, franchement, j'ai la tête dans le cul, c'est atroce. Vous savez ce qu'on va faire? On va relooker déjà la petite. Et.
Tu as arrêté de jouer à la poupée parce qu'on s'en cogne. Oh, mais espèce de gonzesse là! Pff. Oh là là, quelle écruche! Eh oui, bah oui, évidemment, sinon c'est pas drôle. Ça là, eh bah oui, on peut pas non plus. C'est génial. C'est génial. Attends. Attendez. On va mettre la plante au-dessus du lit, c'est très bon pour la santé. Ou pas. Et modifier l'apparence. Alors, je vais faire un truc que j'ai envie de faire depuis à peu près le début de ce challenge. C'est qu'on va un petit peu relooker Gigi parce que là, c'est pas possible. Enfin, déjà, non, mais cette tronche, quoi, c'est. Non. Oh! Attends, elle est qu'au deuxième trimestre? Et si on a des jumeaux? Mais je vous jure, mais je me suicide, hein. Je me suicide! Bon. Oh non, mais je sais pas ce qui est le pire là-dedans, entre les chaussons lapins, les bas sexy, la tenue jaune cocu et le masque de coach, là, de. Non, pas de catcheur. Aïe, aïe, aïe. Ah là là, ma chérie, ça va pas du tout. Alors, je suis désolée, mais je t'enlève ce. Oh là, elle a un physique assez drôle. Pas moche, je sais pas, j'aime bien. Et non, par contre, son maquillage de pute, là, c'est pas possible, quoi. Je suis désolée, ma pauvre Ginette, mais faut faire quelque chose. Bon, à la limite, on va lui laisser le jaune. Par contre, les chaussons lapins avec les bancs en résille, c'est pas possible. Éventuellement. Alors, par contre, le leggings, c'est pas possible non plus. Je suis désolée. Et ce maquillage de tepu. Non, mais. Non, mais... non c'est méchant pour les prostituées. Donc, ce maquillage de peau de peinture, c'est pas permis. Ce n'est pas permis. Non, faut que je prenne un truc. Oh, elle a pas les adodes. Oh, pardon, je suis désolée. Je suis désolée. Oui, d'ailleurs, en parlant d'add-on, je pense que quand vous verrez cet épisode, parce que j'ai pas compté, mais on a pas mal d'épisodes d'avance, quand vous verrez cet épisode, le nouvel add-on, donc Vie Citadine, sera sorti. Donc évidemment, vous le verrez pas dans ce challenge-là. Enfin, c'est pas vraiment un challenge, mais dans ce let's play-là, avant un bon moment, je pense, puisqu'on est à fond avec Elantia et on vous fait beaucoup d'épisodes d'avance. Voilà, t'es un peu mieux là, Gigi, là. Plus trop voiture volée là maintenant. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, donc du coup, dès qu'on l'aura. Oh, mais ce cul que ça lui fait, cette robe. Pardon. Dès qu'on l'aura. Évidemment, elle a mis du rose. Gag récurrent. Oh, oh l'horreur. Bref, dès qu'on l'aura, il sera dans ce challenge, mais vous ne le verrez pas tout de suite, puisque on tourne à l'avance. Logique. Donc moi, je compte me le prendre, et puis, Elantia aussi. Oh, elle est trop kiki, la petite. Je pense qu'elle l'a déjà relookée, parce qu'elle est trop mignonne. Oh, elle est adorable. Oh, Ginette, t'es trop mignonne. Elle s'appelle bien Ginette, je ne sais même plus comment elle s'appelle. Non, Germaine, pardon, Ginette, c'est sa maman. Oh, Germaine, t'es trop kawaii. Oh, petit Loukoum. Oh, je la kiffe. Le nom de famille. Un mot non autorisé. Ok. Ah, c'est caca qui est pas autorisé, c'est sérieux? Enfin, en soi, on s'en fout, hein. Non, mais caca. Non, mais franchement, niveau créativité, Lancia, j'ai vu mieux, hein. Excuse-moi, Mélin. Allez, le chargement. Oh, c'est vrai que pour ça, passer du Sims 4 au Sims 3, c'est un peu chiant. Cela dit, je sais pas pour vous, mais moi personnellement, quand. Enfin, des fois, mon Sims 3, il freeze. Donc au final, c'est pas plus long qu'un chargement, en fait. Cocotte, cocotte, t'as envie de faire pipi, sinon c'est pas drôle. Oh, je me perds dans les.
dans les trucs là. Alors, bah tu vas le faire ton pissou. Et j'ai trop envie de. J'ai trop envie je vais y arriver, hein. De foutre les codes pour désactiver les besoins parce que ça me saoule. Ça me saoule. Désolée, encore une fois, je suis désolée comme je parle beaucoup et que j'ai pas. Je manque de sommeil et ben je bâille. Alors je suis désolée pour ça. Gigi, tu vas te lever là, c'est l'heure de faire pipi, ma pauvre Gigi. Et puis prendre une douche, ça te fera pas de mal parce que tu pues du cul. Et sûrement d'ailleurs, mais on veut pas savoir. Et puis, est-ce qu'il reste des plats? Ouais, il reste carrément plein de plats. Kéane, ma petite poulette. Bah, Kéane, faut qu'elle dorme là. Elle est morte. Aïe, il y a un truc qui m'a piqué. Bref. Les gosses vont pas bien, sinon c'est pas drôle. Oh là 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 là. Mais quelle idée! Et pourquoi ils sont tout en bas dans la cave en plus? Elle compte les faire crever ou quoi, pauvres gosses? Mais pauvres gosses! Alors, on va nourrir au biberon tout ce petit monde. Ouais, si c'était ses enfants, on pourrait les allaiter. Donc, oh, mais elle va nous pondre un chien là. Mais non, mais me dis pas qu'il y en a deux parce que. Non, mais je vous jure que je me pends. Hein. Et la gamine, elle fait quoi? Elle fait ses devoirs. C'est bien, ma petite! Bon, par contre, si tu pouvais te dépêcher, ils sont lents, mais ils sont lents. Mais les boobs que ça lui fait, ce haut, mais regardez ça! Les big boobies! On va dire que c'est les montées de lait, hein. Oh my god. Oh mon dieu, mais ces boobs, mais j'en peux plus. On a de la thune, j'ai envie de dire. Alors, vous savez quoi? Je vais démissionner. Il faut qu'on s'occupe de. Et puis toi aussi, tu vas démissionner. Non, toi, tu vas démissionner parce qu'il faut que tu t'occupes des gosses maintenant. Démissionner, c'est où déjà? C'est quand même. Franchement, je veux. Enfin, je sais, là, je vais sûrement faire beaucoup de comparatifs Sims 3, Sims 4, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai recommencé à jouer un peu Sims 4, 3, je vais y arriver. Et c'est quand même vachement plus beau. Je parle pas des graphismes, hein. Je parle juste de. Comment ça s'appelle? De l'interface. Je trouve ça quand même vachement plus joli que. Enfin, vachement plus épuré, vachement plus visible que les Sims 3. Parce que les Sims 3, je suis là en train de. Putain, c'est où que je clique? Faut faire quoi? Je m'en souvenais tellement plus. Alors que j'y ai joué des années. Enfin, on s'en fout. Du coup. Oui, démissionne parce que là, on n'a pas le temps là. Hein. On doit. Tiens, joue avec ta gosse. Voilà. Ça t'occupera. Oh là là, mais non, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Aïe aïe aïe. Oh non, mais regardez ça, mais quand on en apaise un, il y a l'autre qui chiale. Mais c'est une blague! Oh, mais allez crever les gosses! C'est pas moi qui vous ai adopté, hein! Oh, mais non! Allez, on fait dodo maintenant! Oh, sale gosse! Tiens! Allez copuler toutes les deux! Ça fera monter le divertissement de l'autre blairelle, là! Je peux plus! Et toi, ma petite lapine! Oh là là, ma pauvre! Oh! Tu vas manger un truc déjà pour commencer. Voilà, tu vas aller prendre des pancakes. Elle est crevée, elle a pas de vie. Mais ils sont encore en train de chialer! Non, mais moi je démissionne, hein. Ah oui, non, mais si ça copulait dans la chambre de la petite, on vous dira rien, hein. Pauvre gosse, il est quelle heure? Il est 16h, j'ai qu'une envie, c'est de les envoyer se coucher, les Sims! Ah non, c'est atroce la gestion là. Je suis plus habituée. Enfin bon. Allez hop, plus vite que ça. Ensuite, tu iras faire pipi. Toi, je pense qu'il faut que tu manges, ce serait pas mal. Donc, tu vas aller manger. Enlever la nourriture gâtée, c'est bon, la bonne le fera. Hein. Et toi, tu vas retourner voir les sales mioches. Oh my god, mais oh my god, mais oh my god. On n'en peut plus de ces gosses, hein. Mais taisez-vous! Mais vous êtes moches!
Voilà! Il n'y a plus de respect. Allez, là, on met pas trois plombes à copuler non plus. Oh, mais c'est quand qu'elle accouche, elle? Oh! Et ça se trouve, elle va accoucher dans l'épisode. Oh, mais laisse tomber. Laisse tomber. Mais je t'ai dit de manger! Tu me saoules à pas m'obéir. C'est ce que je dis souvent à Ruru. Je déconne, il a pas entendu, heureusement, parce que bon. Bon. Mais c'est quoi cette pièce? Non mais attends. Attends. Elle va pas enfermer les gosses quand même quand ils seront plus grands. Non, elle va pas faire ça. Parce que ça me fait peur, franchement, il y a un lit, une espèce de truc de torture là et... Non. Non, mais elle va pas faire ça, les pauvres gamins. Parce que si c'est se taper des gosses pour qu'ils soient dans la cave, moi je te dis, je les fais adopter par Don, hein. Oh, mais c'est pas possible! Mais ta bouche! On vient de s'en occuper, Irchial! Allez, il y en a un autre qui veut, là. Au suivant. Non, c'est bon. Eh ben non. Mais c'est pas possible! Mais elle est crevée! Elle est crevée. D'ailleurs, en parlant de crevée, tout le monde est fatigué là-dedans. Moi, c'est bien, elle fait la vaisselle, du coup. Tu vas dormir. Toi, tu vas dormir aussi. Et la petite aussi, allez, ils sont complètement décalés, on s'en fout. Hop, dormir. Il est 18h30, tout le monde va se coucher. C'est génial! Heureusement que je t'ai dit de démissionner, hein, Gigi, mais c'est pas grave. Ok, je m'en fous, en fait. Oh oui! Oh, c'est bientôt leur anniversaire. Oh, merci. Vous savez quoi, on va rester jusqu'à leur anniversaire, je pense que ce sera le lendemain. Allez, hop. Est-ce que tu peux démissionner, par contre? Parce que je te l'ai demandé, mais tu t'en es foutu, hein? Mais genre complètement. Et tu vas aller manger un truc. Mais ça m'a rien dit, genre Osef quoi. J'ai dit démissionne. Allô? Je buguais. Qu'est-ce que ça me saoule? J'aimerais bien voir grandir les gamins parce que c'est toujours Elancia qui les voit grandir. Elle a vu grandir Ginette, elle voit grandir. Oh, mais taisez-vous. Oh my god, mais fermez-la. Oh, vous allez finir en barbecue, les mecs. Hein. La petite Gigi. C'est pas Gigi, c'est Germaine. Faut que j'arrête de l'appeler Gigi. Prendre une petite douche et ensuite ira manger un truc. Voilà, tranquillement. Il est 1h du mat, tout le monde se relève. En fait, c'est un petit peu mes horaires en ce moment. C'est exactement ça. Coucher 18h, debout à 1h, c'est trop ça. Mais t'es au courant que j'ai quitté le travail ou pas? Ou ça veut vraiment pas en fait? Commence à me casser les cacahuètes là, hein. Mais je m'en fous du travail, allô? Au pire, prends des congés, enfin, je sais pas, fais quelque chose là. Hein. Non, elle veut pas. Voilà, c'est bien, elle a pris des congés, maintenant on démissionne. Ah, bah quand même, merci. Bon, va faire pipi, va manger un truc. Oh, elle va bientôt accoucher, mais regardez-moi ce bide. Je crois que cet épi va durer plus longtemps parce que je veux vraiment l'avoir accouché et je veux que ces pupins. Non mais ils sont encore en train de. Eh ben au pire, pleurez, vous pisserez moins. Voilà, exactement. Oh my god, mais j'en peux plus, mais les idées comme ça, Elancia, tu te les gardes, hein? Oh mon dieu, c'est horrible. D'ailleurs, j'ai même pas réexpliqué le concept. Le prochain épisode sera sur la chaîne d'Elancia. Pour ceux qui n'ont pas compris, on joue un peu, puis on s'échange la sauvegarde, tout simplement. Et oh my god, quoi, mais c'est n'importe quoi. C'est parti en couille ce let's play, mais violent.
Est-ce que tu peux éventuellement causer avec ta fille? Parce que la pauvre, elle va nous faire une dépression là. Fais-lui une petite blague, une petite blagounette, discute des recettes, je sais pas moi, vis ta vie. Et toi aussi, vu que tu fais rien. Voilà, parler un petit peu avec ta fille, ça peut être drôle. Ça peut être pas mal parce que la pauvre gosse, en plus elle est trop mignonne. Franchement, je la trouve super belle. J'adore, j'adore. Voilà, donc ça va tout de suite beaucoup mieux quand on parle à papa, enfin à maman, enfin on sait pas trop en fait. À papa, maman. Du coup, demander à toucher le bébé, ça c'est trop kiki, je trouve. Allez, go. Par contre, les autres, on s'en fout quoi. Les gosses. Voilà, donc la petite, elle est contente. Oh, c'est trop mignon! Je sais pas si vous avez vu. Putain, mais le bide qu'elle a, mais elle va exploser, hein. Ça va exploser! Oh! Non, je pense qu'il y en a qu'un. Mais il est gros. Voilà, super réponse. Pardon, je suis désolée. C'est un gros bébé. Ça me stresse, j'ai mon Discord qui spamme de partout, là, qui clignote. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas, Discord, c'est un logiciel de chat vocal et textuel qui est beaucoup mieux, enfin, je trouve, que Skype. Et du coup, j'ai pas mal migré là-dessus. Et si vous voulez me contacter, parce que je répondrai beaucoup plus vite là-bas que sur Facebook ou les autres réseaux sociaux. J'ai mis mon identifiant, donc Discord, dans la description. Donc vous regardez si ça vous intéresse et si ça ne vous intéresse pas, tant pis. Et d'ailleurs, c'est un logiciel gratuit pour ceux qui demandent. Et voilà, ça s'installe gentiment. Et sinon, si vous ne voulez pas l'installer, vous pouvez y jouer via votre navigateur. Voilà, c'est tout pour l'instant pub. Et je précise que ce sont des particuliers qui l'ont fait, donc ce n'est nullement un placement de produit, c'est juste une pub gratos pour un truc que j'aime bien. Voilà, tout simplement. Parce que ça se fait encore de nos jours, tout le monde ne gagne pas de l'argent. Enfin, je gagne pas d'argent, donc comme ça c'est fait. Oh, j'ai oublié d'allumer le feu, tiens. Et là, ça va cramer la maison. Avec la chance que j'ai. Bon, ta couche. Bah attends, on va aller s'occuper des chiards là quand même. Non mais. Eh, j'ai fait que ça de tout l'épisode quand même, hein. Franchement, dès que tu t'en occupes d'un, t'as l'autre qui rechiale après, c'est infect, c'est nul. Mais elle va pas quand même laisser les trois gosses là, enfin. Ça fait vraiment très cave souterraine où je vais enterrer mes gosses. J'espère vraiment pas qu'elle va faire ça, hein. Oh. Surtout que ça sert à quoi d'adopter pour les tuer juste après, c'est débile. Non, je pense pas qu'elle va faire ça. J'espère pas. J'espère tellement pas, j'ai trop peur en fait. Que vas-tu faire, Elancia? Ne tue pas ces pauvres gosses, ils ne méritent pas ça. Du coup, la petite princesse, elle va prendre un truc à manger. J'ai dit prends un truc à manger. Prends un truc à manger. Merci. Puis ensuite, bah, vous irez vous coucher, hein. À 10 h, on s'en fout, quoi. Hein. Y a plus d'heure, y a plus de saison. Allez, toi aussi. Non, attends, avant, tu vas t'occuper des gosses, là, parce qu'on n'en peut plus des gosses. Mais taisez-vous! Oh! Vous êtes en train de manger. Oh, ça y est, elle accouche! Accouche! Elle accouche! Elle accouche! Elle accouche! Réveille-toi! Merci! Va à l'hôpital, dépêche-toi. Mais oui, bien sûr. Allez, go, go, go. J'ai bien envie d'enregistrer là, mais. Mais. Je sais plus ce que je voulais dire. Mais on peut pas, tout simplement. Voilà, c'est ça la fin de la phrase. Mes phrases se finissent pas, c'est cool. T'es complètement paniqué. Allez, vas-y, là, dépêche-toi. On n'a pas le temps, là. Oui, tous les bébés sont à la garderie, ben on s'en bat les couilles. L'invulgarité dans cette vidéo. Je vais être virée de ma propre chaîne parce que je suis vulgaire. Bon, il vient le. Oh, quoi? Tout va bien.
tout va bien. Et viens le réceptionniste parce que je suis en train de... Sinon, je vais lui faire le chiard sur le bureau. Même pas de réceptionniste dans cet hôpital de merde. Qu'est-ce que c'est pourri? Alors, vas-y. Garçon, fille, on ne sait pas trop. C'est une fille, je vais l'appeler. Alors déjà, je vais mettre un L majuscule parce que là, ça ne va pas du tout. On va l'appeler Lucienne. Voilà, c'est très beau. Mais jamais de ma vie j'ai des jumeaux! Et quand j'en heureusement qu'on peut pas avoir plus de 8 sims, sinon je suis sûre que j'aurais des triplés là! Bon, un vieux nom pourri. Ah, je sais! Ferdinand. Alors je suis désolée à tous les Ferdinands qui me regardent, s'il y en a, je n'ai rien contre vous, c'est juste que ce prénom est magique. Voilà, c'est bon, il n'y en a pas d'autres. Non, mais non. Mais Lantia, mais t'as fait un cheat ou je sais pas, mais quelque chose, mais c'est pas... Mais non. Ah, je vais lui demander, mais non. Alors, vous savez quoi, je vais attendre qu'elle rentre chez elle, je vais sauvegarder, je vais lui envoyer cette magnifique sauvegarde avec les 5 nourrissons et elle va se démerder à galérer dans le prochain épisode. Voilà, bien fait, mon chat morue. Il n'y a plus de respect là, le respect est mort. Mais non, mais jamais de ma vie j'ai des jumeaux et là que j'en veux pas, j'en ai. Et par contre, mon 100 bébés challenge, je peux toujours courir quoi. Mes lunettes sont sales, c'est super, je vois même plus mon écran quoi. Oh mais non! Mais non! Oh mais j'hallucine! J'hallucine! Oh, par contre, je vous avouerai que je renommerai Caca et Pouette, hein, parce que c'est pas des noms, ça. Je les appellerai Bernard et puis... Et je trouverai bien... Mais non, mais... Mais non, mais non, mais non, mais... Mais regarde ça! Il n'y a même plus de place! Bah du coup... Mais non... Oh! En plus, elles sont trop mignonnes par contre. Enfin, ils sont trop mignons les jumeaux. Ils sont tout noirs. C'est trop kiki. Par contre, ça on vend parce que déjà, ça nous rapporte de la thune. Oh! Mais non, mais what the fuck quoi. Oh! Mais c'est pas possible. Mais jamais de ma vie. Mais... Non, mais je vais pas m'en remettre là, les mecs. Je suis en train de crever là. Oh! Vas-y. Ça me déprime. Tiens, faites un selfie et on se quitte là-dessus parce que là. Non, mais attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est-à-dire que si j'avais pas viré Max, j'aurais pas eu de jumeaux. Oh, mais non. Y a pas faire un selfie là, je sais même plus où c'est. Non, mais je suis au bout de ma vie là. Je suis au bout de ma vie parce que je suis en train de me dire que c'est. Ces 5 petits mouflets, enfin ces 6 petits mouflets avec Germaine. Non, c'est pas Germaine que je veux, par contre, pardon. C'est Gigi. Donc ces 5 petits mouflets, aussi mignons soient-ils, va falloir s'en occuper. Et ça va être l'enfer. Mais genre l'enfer. Mais de ouf. Allez, allez. Voilà. Donc on prend la photo. On est belle. On sourit. Voilà, alors cette tronche, voilà. Je sauvegarde. Non, mais alors là. Ah, mais j'ai vraiment eu un coup de chance. Non. Oh. Mais l'ancien, mais elle va pas Bon, je vous laisse. J'ai hâte de voir la réaction d'Elantia. Donc n'oubliez pas, ce sera la semaine prochaine sur sa chaîne. Je suis désolée. Pour l'épisode un peu plus long. Bref, je vous fais plein de bisous.